personne ne m'avait encore sauvé la vie. C'était très palpitant. Et vous avez été si gentil de m'embrasser. Je ne vous embrassais pas. Je vous faisais du bouche à bouche. Oh. Mais ça n'a pas été très efficace. Normalement, la victime est allongée sur le dos et remue le moins possible. Vous vous étiez agrippé à mon cou. Je suis affreusement confuse. Oh non, non. C'était très bien. Vous êtes un excellent sauveteur. Merci. Oh. Je crois que nous avons un problème. Je crois que mon chien a un coup de foudre. Je crois que ma chienne aussi. En quoi est-ce un problème ? Ils auront le cœur brisé lorsque vous vous en irez. Oh. Oh, jamais je ne supporterai d'avoir brisé le cœur de ma chienne. Ouais, ils sont si malheureux quand ils sont seuls. Il faut absolument trouver quelque chose. Tout à fait. Je vous resserre une tasse de mariage. Je vous demande pardon ? De thé. Et une autre tasse de thé. Vous avez dit mariage ? Ah, mariage ? Oui, c'est ce que vous avez dit. Je pense que vous pensiez tasse de thé, mais j'ai entendu le mot mariage. Ah, pardon, voulez-vous donc reprendre du thé ? Je le veux. Vous le voulez ? J'ai dit oui. Oui ? Si vous me le demandez. Voulez-vous ? Oui. Puisque Roger et Anita ont consenti ensemble au lien sacré du mariage, et qu'ils en ont témoigné devant Dieu et devant la présente assemblée, et ont ainsi solennellement engagé leur foi l'un envers l'autre, et l'ont déclaré par le moyen de l'échange d'un anneau consacré, et par leurs deux mains jointes, je les déclare unis par les liens sacrés du mariage. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Père, le Fils, et le Saint-Esprit les bénissent et les aident en leur sainte garde. Que le Seigneur miséricordieux daigne abaisser son regard sur vous pour vous emplir de sa bénédiction et de sa grâce. Afin que vous puissiez vivre unis en cette vie et que dans l'autre monde, vous ayez la vie éternelle. Amen.